moi, des séries, pareil. Ça dépend ce qui passe à la télé. Une série, une émission, un film, plus les émissions, on apprend quelque chose. Le journal, souvent. Enfin, pas tous les jours, mais ça m'arrive souvent, ouais. Logiquement, je suis un peu forcée par mes parents de regarder le journal. Et sinon, j'aime encore bien regarder The Voice quand ça passe à la télé. Moi aussi, The Voice le week-end et le mardi soir, et aussi le journal quand on soupe. Si je regarde la télé-réalité, Secret Story ou Les Anges. J'aime bien les saisons, les séries et le journal. Les films, j'aime bien les télé-réalités surtout. Là, il y a beaucoup de médias qui disent c'est des conneries, blablabla. Mais en fait, ça intéresse les gens. Il y a des clashs, il y a tout quoi. Il y a un peu d'amour, il y a des folies, il y a tout. C'est comme une vie quotidienne, on aime bien voir les vies des autres. Et puis voilà quoi, tout ça quoi, ce qui passe à la télé. Le foot. Tous les week-ends, il me faut mon foot. De tout. Vraiment, ça peut passer du dessin animé au journal ou jamais un tour regardé. Ce qui passe, les télé-réalités, tout ça. Quelques séries, sinon les infos quand je suis en train de manger. Des films qui passent à la télé, ou des DVD ou des trucs comme ça. Ou les infos de temps en temps, mais la plupart du temps, j'ai une activité le soir, donc je suis pas à la maison. La télé-réalité, les films d'amour et les télé-réalités. Des comédies. Le journal. Je regarde plus les nouvelles en première parce que quand je rentre, c'est ce qui me permet directement de me renseigner. Et puis après, bah, c'est le dessin animé ou c'est ce qui me tombe sous la main. La seule utilisation que j'en fais, c'est pour les films ou alors les séries. La télé-réalité. La télé-réalité. Des séries. Souvent les télé-réalités, c'est des conneries, mais quand il y a, on regarde. Et sinon, je regarde MTV. Moi, je regarde les Marseillais, les Anges, les 4 mariages pour une lune de miel. Des fois, un film le soir. Moi, je suis pas fatiguée. Des petites séries ou quoi, tu vois, enfin, des trucs cons, clairement. Bah, de temps en temps, quand il y a des documentaires, je regarde ça, mais sinon, c'est tout. Des séries et télé-réalités. Ça dépend, ça peut varier. Ça peut passer de la télé-réalité au film.